Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom sur l'épisode de Agatha Christie The ABC Murders. Donc chers amis, on va faire jouer, on va reprendre. Normalement cet épisode vous l'aurez après la sortie, donc normalement à peu près le 6 hein, si je compte pas trop mal. Donc aux alentours du 6 février, donc le jeu sera sorti. Donc normalement on devrait être en mesure simplement de... Ce n'est pas le moment. Ah bon, ce n'est pas le moment. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc en mesure de vous passer cette vidéo. Comparer la nouvelle lettre aux lettres du ABC. Donc hop, on va appeler d'abord Scotland Yard. Allô, Jap, nous avons reçu une nouvelle lettre d'ABC par le courrier de 10h du soir. Où et quand? À Churston, aujourd'hui même. Aujourd'hui? Je préviens la population tout de suite. Moi, je consulte les horaires des trains. Rappelez-moi. Hop. Avant de consulter les horaires des trains, ce n'est pas le moment. Oh. Bah écoute, t'as un ABC là-bas. Attends, observons d'abord notre ami. Hastings, ce que vous faites est une véritable catastrophe. Enfin, est-ce une manière de ranger les valises? Mais enfin, le temps presse. Nous devons tout faire pour arriver à Churston avant le meurtre. Pointez que l'ordre est primordial. Hastings, il faut de l'ordre et de la méthode, quelles que soient les circonstances. Bien, bien. Je vous laisse les faire vous-même. Ah, salaud! Tout de même, c'est réellement une honte de ranger aussi mal ses affaires. Donc, nous avons les parfums qui sont mis de la manière n'importe. Bouteille non protégée. Dentifrice mal fermé. Pyjama mal plié. Chaussettes dépareillées. Et chemise complètement... Non, c'est une serviette de bain. Eh bien voilà, c'était l'affaire d'un instant. Je reconnais que c'est agréable d'avoir une... Poirot, vous aviez raison. Je viens de consulter l'indicateur ABC. Inutile de se presser, le prochain train pour Churston ne part pas avant minuit moins le quart. Vous voyez, inutile de nous bousculer. Nous n'arriverons pas à Churston avant demain matin. Après le meurtre. Mais pourquoi l'assassin nous prévient-il si tard? Ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Est-ce qu'il l'a fait exprès? Très bonne question, Hastings. Il nous faut aussi comparer la lettre que nous venons de recevoir aux deux précédentes. Ouais, c'est pas bien que je n'ai guère de doute sur le résultat de l'examen. Flocons de neige, bah écoute, merci, j'imagine. Allons-y. Bien, comparons cette nouvelle lettre avec la deuxième. Réflexionnons. Alors. Examinons ça de plus près. On retrouve normalement sur la deuxième. Certains caractères des deux courriers ont peut-être des défauts similaires. Le W, par exemple? Le W n'est pas parfaitement imprimé. Hop. Bien, comparons cela à l'autre courrier. Voilà. Bien sûr, les caractères W des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. La théorie, elle est déjà validée de base, hein. En vrai. Oui, hop. Ce I est étrange. Bien, comparons cela à l'autre courrier. Hop. Oui, les caractères I des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Par exemple, je dirais le A. Oui, le A semble assez particulier. Bien, comparons cela à l'autre courrier, hein, on a bien compris. C'est ça. Les caractères A des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Alors... Ma théorie était exacte. Ah non, c'est bon. Ces deux courriers ont été écrits avec la même machine. Bon. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Pourquoi l'assassin prévient-il si tard?
Clairement parce qu'il est célèbre, effectivement. Alors j'hésite, ça peut très bien être les deux. Voilà. Lettre arrivée en retard à cause d'une erreur dans l'adresse, mais une erreur intentionnelle. La lettre aurait dû arriver à temps. Le cachet de la poste prouve qu'elle a été envoyée il y a 3 jours. Seulement notre homme a fait une erreur dans l'adresse. Cela explique le retard. Tout de même, je trouve que la poste a été bien longue à rectifier l'erreur. Voyons, Poirot. Votre adresse n'est pas encore aussi connue que celle de Scotland Yard. Tout à fait. Mais l'erreur n'est pas... Poirot, le téléphone. Ça doit être Jap. Bah écoute, j'y vais de ce pas. Hop. J'ai des nouvelles de Charleston. De mauvaises nouvelles. Sir Carmichael Clark a été tué pendant sa promenade du soir. Carmichael. Sir Carmichael Clark. C'est, donc c'est bon. Ce nom m'est familier. C'était un pneumologue réputé, l'un des meilleurs de Londres. Un homme riche. Il avait pris sa retraite à Campside, une belle maison près de la mer. Tiens donc. Il collectionnait les antiquités. Vous vous rendez sur place ? Oui. Vous vous rappelez la première, là, comment la boutiquière qui fumait, qui avait des problèmes de poumons. Vous vous rappelez, elle avait des mouchoirs à côté de son lit. La précédente avait des problèmes de maux de gorge. Vous vous rappelez? Parce qu'elle avait, elle chantait et donc il fallait qu'elle évite de chanter, c'était dangereux. Intéressant. Et lui, on tombe sur un pneumologue. Il aurait donc soigné les deux jeunes femmes. Enfin, les deux femmes. Jeunes, tout est relatif. Oula, effectivement, c'est pas la grande forme. La victime s'appelle Sir Carmichael Clark. L'un des meilleurs pneumologues de Londres. Le corps était encore chaud quand on l'a trouvé. Si nous avions été prévenus plus tôt, nous l'aurions sauvé, c'est sûr. Il semble que l'assassin se soit trompé en rédigeant l'adresse de sa lettre. Non. Il s'est trompé? Sacrée chance qu'il a eu là. Et s'il l'avait fait exprès? Non, non. Il a établi ses règles folles et il s'y tient. C'est de là qu'il tire sa fierté. Nous montons à la villa, Poirot? Non. Allez-y, mes amis. Je m'attarde un peu. Non, non, non. Par contre, ce sera peut-être une des raisons pour lesquelles je lirai le livre derrière. Au niveau du carnet. Ancien médecin, retraite spécialiste de la gorge et des poumons, vous voyez. Et donc, celle-ci est la sœur. Nanana. Ok. Les victimes, où sont-elles? Voilà. On n'en entend pas parler, pourtant. Par contre, elle était dans un tabac, forcément. Ah, ils ont pas noté, c'est chiant. Enfin bon, de mon point de vue, c'est pas anodin. Je sais pas ce que vous en pensez. Jap a vidé les poches de la victime et exposé leur contenu sur ce morceau de toile cirée. Alors, nous avons donc une chevalière. Ce n'est pas une bague, c'est une chevalière, chers amis. Une chevalière, sans doute aux armes de la famille Clark. Un portefeuille. Encore une fois, l'argent étant... Rien ne semble manquer dans ce portefeuille. L'argent étant présent, on peut encore une fois écarter l'hypothèse du vol. En tout cas, du meurtre par intérêt. Un dragon oriental. C'est une pièce ancienne, bien plus que la montre sur laquelle on l'a fixée. Donc, le dragon est ici, hein. Malheureusement, on le voit très très peu. Et ici, nous avons une espèce de nécessaire... Ah non, même pas, un porte-clés. C'est inutile. Le corps, donc. Alors, on peut y retrouver... Le chemin a été aspergé de sang sur une zone conique qui part du corps et s'élargit en s'éloignant du buisson. Donc il est bien mort sur place. On a le fameux ABC, donc ABC. On parle combien qu'il ouvre sur la page de Charleston. Un indicateur ABC, la signature habituelle du meurtrier. Trempé de sang cette fois. À part la blessure à la gorge, le corps est intact. Ni coupure, ni hématome.
quoi je peux avoir. À part la blessure. Oui, d'accord. Le chemin a été Chemin. À part la. Ok. Qu'est-ce qui nous manque? Le chemin. Qu'est-ce qui nous manque? Sir Carmichael voilà. A eu la gorge tranchée. L'incision est nette. Du beau travail d'assassin. Donc trois personnes qui ont des maladies en rapport. Enfin, deux personnes qui ont rapport avec des maladies de poumons. Et une autre personne qui, elle. Cet endroit est apaisant. Il y a un trou de lapin. Une jolie petite vue, un rocher pittoresque. Et des fleurs Le sauvages. Site est exceptionnel. J'imagine volontiers que Sir Carmichael aimait s'y arrêter tous les soirs. Effectivement, c'est vrai que c'est joli. Typiquement anglais, hein, sur des falaises comme ça. On peut imaginer une cachette. Le corps se trouve juste devant un buisson. Un des rares buissons présents dans le paysage. On peut imaginer donc là une cachette. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? La végétation a été piétinée derrière le buisson. Voilà, donc c'est ça, il l'a attendu Tâchons ici. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Vous voyez le truc ? Il l'a attendu ici, abattu, repoussé. Hop. Saint-Michel, tournez le dos au buisson. Sir Carmichael se tenait dos au buisson quand l'assassin l'a égorgé par derrière. Un coup définitif qui a fait jaillir le sang à plus d'un mètre. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. A-t-il vu son meurtrier ? Ah ah. La victime tournait le dos au buisson. N'a subi qu'une seule blessure. Non, c'est... Pourquoi il y a une chèvre ? Il meurt sans voir qui le frappait. Alors ça... Quand on est égorgé, on ne meurt pas sur le coup. D'abord, on se vide de son sang. Vous avez fini, Poirot ? Inspecteur, bien des questions restent ouvertes, mais j'ai au moins une certitude. Le meurtre était soigneusement prémédité ? L'assassin a soigneusement préparé son coup. Tout à fait. Pour monter une telle embuscade, il devait connaître les habitudes de Sir Carmichael. Le meurtre a été très violent. L'assassin a frappé avec une sauvagerie exceptionnelle. Oui, le sang a coulé. C'est la première fois qu'il attaque un homme, il s'est armé en conséquence. Tout à fait. Vous avez interrogé les proches de la victime, inspecteur ? J'ai parlé au frère Franklin Clark. J'en ai pas tiré grand-chose. Je vous le laisse, je vais faire enlever le corps. Parfait. Je te remercie. Est-ce qu'en allant par là, je peux retrouver la route ou... Je ferais mieux de monter à Combs. Ah, de monter, donc. C'est clairement par là. Hop. En tout cas, c'est effectivement un très joli cadre. Sablé son votre intérêt peut être modifié. Regardez sur une icône illustrant une main affichée sur le côté. D'accord. Franchement, cet inspecteur Japp me semble assez obtus. C'est sur votre ami Poirot que je compte, pour retrouver l'assassin de mon frère. Le voici, justement. Asseyez-vous, monsieur Poirot. Monsieur Poirot, je vous présente mademoiselle Thora Gray. C'était la secrétaire de mon frère. C'est la petite sœur de... Enchantée, monsieur Poirot. Illégitime de... Prendrez-vous du thé ? Non, merci, mademoiselle. Je le digère mal. Alors, peut-on inspecter notre ami déjà ? Hastings n'aime pas le thé brûlant. Il va souffler un bon moment sur sa tasse avant de boire. Cette demoiselle qui regarde en bas à droite. Elle a quelque chose d'élégant. Oui, elle a le fameux dragon qu'on peut retrouver. Enfin, une broche asiatique qu'on peut assimiler donc à la pièce dans la montre. Elle a des bijoux. Un maquillage subtil, effectivement, et surtout un très très beau costume. Elle a du goût, sauf peut-être dans le choix de ses bijoux.
Veuillez m'excuser, je dois aller m'occuper de Lady Clark. Non, j'ai peut-être laissé filer l'occasion de l'interroger. Hastings n'aime pas le téléphone. Ah oui, j'ai compris. C'est l'occasion ou jamais de l'interroger. Je voulais pas l'interroger, je voulais d'abord l'observer. C'est l'o... Ah mince, donc j'ai bien laissé passer ma chance. La femme avec de mon frère est gravement malade. Vous souhaiterez probablement l'interroger, mais je crains que ce ne soit pas possible aujourd'hui. D'accord, donc j'imagine qu'elle a une maladie en rapport. J'insiste, monsieur Clark. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un meurtre. Malheureusement, son état ne le permet pas. Elle ne sait même pas que son mari est décédé. Vraiment, je regrette, mais j'ai peur que ce soit impossible. Bien sûr, je comprends. C'est une véritable embuscade qu'on a tendue à votre frère. Qui donc était au courant de ses habitudes ? Tout le monde à la maison savait qu'il partait se promener à 8h30 et faisait toujours le même parcours. Demandez si la nuit était sombre. La nuit était-elle sombre ? C'était la nouvelle lune. J'ai pris une lanterne. C'est vous qui avez découvert le corps, n'est-ce pas ? Oui, avec le jardinier. Avez-vous vu des inconnus rôder autour de la maison ces derniers temps ? Non. À ma connaissance, personne ne s'est approché de la maison. Madame Clark ! Oh, Lady Clark a dû tomber de son fauteuil. Il faut que j'aille aider Mademoiselle Gray à la relever. Non. Hastings, je vais profiter de l'absence de notre hôte pour inspecter le salon. Ah, j'aime pas ça. Mais, Poirot, un gentleman ne doit pas... Mon ami, je le prends sur moi. Tout ce que vous avez à faire est d'entrebâiller la porte du salon et de me prévenir si quelqu'un arrive. Donc là, il va falloir faire vite, je pense. Hop. La table. Il y a là un livre. Un livre qui m'intéresse. Collection privée de Combside, acquise depuis 1920. Voilà. Le catalogue de la collection de Sir Carmichael Clark. Étrange, on dirait plus du... Comment dire ? Franchement, c'est moi qui ai le dragon. Un dragon. Un tigre. D'accord. Une grue. Grue. Et une tortue. Une théière dragon, avec un autre dragon. Dragon, dragon, Sir Carmichael faisait preuve d'une constance certaine dans la thématique de sa collection. Pas tout à fait d'accord. Quand on voit ça, c'est plus de. Il s'agit d'un empereur. Sa place au centre de la table revêt certainement un caractère symbolique. Ok. Pourquoi pas ? Je ne vais pas m'en aller maintenant. Non, non, c'est la porte que je visais, d'accord. Allez, dépêche-toi. Hop. Grosse baisse de framerate. Que se passe-t-il ? Ça y est, c'est revenu. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Boussole indique le sud. Bronze et magnétite. Dynastie Han, vers 210 avant Jésus-Christ. Acquisition Hong Kong 1935. Intéressant. Là-bas, il y a un dragon, mais je ne semble pas pouvoir être en mesure d'y aller. Attendez, on va essayer d'y aller quand même. Le fameux dragon. La collection de Sir Carmichael pourrait rivaliser avec celle d'un grand musée. Effectivement. Là-bas. C'est fermé à clé. D'accord.
Je ne peux donc décemment pas l'ouvrir. Ici, qu'avons-nous? Oh, réflexion. Alors, un système de boussole. Ah, de trucs à pignon qui tournent, donc il me faut une clé déjà de base. Les points cardinaux. Ce livre pourrait peut-être m'aider. À chaque point cardinal est associé un animal et une couleur. Au milieu se tient le dragon impérial. Et tous par déférence, se tiennent tournés vers lui. La tortue, le dragon, la grue et le tigre. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces motifs quelque part. Effectivement. Oh non! J'ai de nouveau ce bug. J'ai de nouveau ce bug. Alors je reviens, chers amis, je fais une ellipse. Heureux, chers amis. Alors on y retourne. Hop. J'espère que ça a fonctionné cette fois-ci. La tortue, le dragon, la grue et le tigre. Oui, j'ai déjà entendu le dire. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces motifs quelque part. La table, effectivement. Hop. Hop. Et hop. On a bien vu le rouge au nord. Le bleu ici. Oh. D'accord, ok, je viens de comprendre. Ici, je ne me rappelle plus. Si, c'est bien ça pourtant. Ok. Donc là, il me faut bel et bien le bleu. Ici, je peux déplacer. Hop, ok. Normalement, ça devrait être bon. Ah, il m'a encore faut-il retrouver l'ordre de la table. C'est ça, non? Les points cardinaux. Oui, je sais, j'ai bien compris. À chaque point cardinal est... C'est en rapport avec la table. Bien beige en bas, noir en haut, noir en bas, beige, bleu, rouge, de ce côté-là c'est bon. Ah oui, d'accord, tout simplement. Alors, rappelons-nous, le dragon était en haut, donc c'est ça. La position de chacun des motifs ressemble à la table. Je pense avoir entendu un claquement. Serait-ce le placard ? Voilà qui est intéressant. Un ensemble de couteaux, dont un manquant. Ces dagues ne sont que des armes de parade. Je ne pense pas que l'arme du crime soit ici. Cependant, il en manque une. Une lettre. Ernest Logan. Merde. Votre épouse Lady Clark est atteinte d'un cancer généralisé, en phase terminale. Déjà à l'époque. J'avoue n'avoir rien soupçonné de son état lors des premiers examens, mais les résultats d'analyse que je reçois aujourd'hui ne laissent malheureusement aucune place au doute. J'estime l'espérance de vie de votre femme à 1 an. L'hospitalisation ne changerait pas grand-chose dans son cas. Je vous conseille donc de la soigner à votre domicile et de lui faire administrer toute la morphine nécessaire pour adoucir ses derniers instants. Recevez, très cher ami, l'expression de mon estime et de ma compassion, Ernest Logan. Ouais. Une maladie de merde. Voici Mademoiselle Gray. Parfait. Enfin pouvoir... Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. L'état de... Certainement, mademoiselle. Excusez-moi, j'ai vraiment le clic très très sensible. Remarquable, cette porcelaine. Est-elle ancienne? Elle date d'environ 3 siècles, je crois. Attendez, je cherche sa référence.
10 points d'ego. Observons-la de nouveau. Elle semble en proie à une forte émotion. Oui, elle n'est pas comme tout à l'heure. Elle n'a plus la broche. Elle ne parvient pas à cacher son émotion, et son maquillage a souffert. Je pense que cette jeune fille vient d'être embrassée. D'accord. C'est ce que j'allais dire aussi, mais je comprends pas pourquoi elle est là. Voici. Théière au dragon noir, période Kangxi, fin du XVIIe siècle. C'est une pièce rare, aux coloris atypiques. Vous avez de solides connaissances en histoire de l'art. Acquise en travaillant avec Sir Carmichael. Je l'aidais à gérer sa collection, à choisir ses nouvelles acquisitions. D'accord. Demandez si elle était gênée d'être au service d'un homme âgé. N'était-ce pas pénible de travailler pour ce vieux monsieur ? Oui, voilà. Il n'était pas vieux. Enfin, je veux dire... Aviez-vous de bons rapports avec votre employeur ? Il me traitait bien et je regrette sa disparition. Ces derniers jours, avez-vous vu des inconnus rôder dans les parages ? Non. Personne ne s'est approché de Combside. Demandez sa version des faits. Racontez-moi ce qui s'est passé hier soir. Après le dîner, j'ai fait un peu de couture et je suis allée me coucher. À 11h, le téléphone m'a réveillée. J'ai entendu Franklin Clark qui parlait aux jardiniers. Ils sont partis avec des lanternes. Et ils ont trouvé le corps. Demandez si elle a une relation. Demandez les raisons de son aversion pour Franklin. Plutôt. Pourquoi haïssez-vous Franklin Clark ? Mais pourquoi le détesterais-je ? Mademoiselle, si je peux me permettre, veuillez ne pas vous formaliser. Mon ami a des méthodes un peu particulières, mais en définitive, il œuvre pour faire arrêter l'assassin. Oui, je comprends. J'ai besoin de me reposer, veuillez m'excuser. Tout à l'heure, vous m'aviez demandé de faire le guet à la porte du il salon. La force. Je ne voulais pas être indiscret, bien sûr, mais il arrive qu'un gentleman surprenne un secret sans le vouloir. Cela arrive, en effet. Et donc, j'ai vu Franklin Clark... embrasser Mademoiselle Gray au pied de l'escalier. Pensez-vous qu'il soit coutumier du fait ? Non. J'ai perçu une émotion, une intensité. Je pense que c'était un premier baiser. Ah non, ils étaient bien d'accord. Bravo, mon ami. Bien observé. Cependant, je ne prétends pas tout comprendre dans cette affaire. Ainsi, pourquoi Sir Carmichael ne s'est-il pas défendu ? Il semblait pourtant actif et vigoureux. L'assassin ne lui a pas laissé une chance, Hastings. Tâchons de revivre la scène, voulez-vous ? Déjà ? Déjà ? Intriguant. Sir Carmichael fait sa promenade habituelle. Notre tueur est caché derrière un buisson. Il attend. Le vieil homme suit tranquillement le chemin du gravier. Admirer Carmichael, oui. Puis, il se tourne vers la mer pour la contempler. Voilà. Intriguant, pourquoi par la gauche ou par la droite ? Par la droite. Le tueur sort de sa cachette par la droite. C'est pour ça que les... Il s'approche voilà, silencieusement en marchant sur l'herbe. Et il l'égorge. Puis il se précipite sur sa proie et égorge le pauvre homme. Il finit par déposer l'ABC avant de partir. Tout semble concorder avec la scène de crime, mon cher Hastings. Voilà ce qu'il s'est exactement passé. Il y a cependant quelque chose qui me gêne.
Voici donc notre assassin. Nous, nous savons à quoi il ressemble. Oh, attendez un peu, je m'habille. Alexandre Bonaparte Cust, ABC. D'accord, intriguant. Mais bien sûr. Dites donc, monsieur Cust, vous rentrez bien de Charleston ? Oui, en effet. Vous avez lu les journaux ? Si ça se trouve, vous avez frôlé l'assassin. Vous vous rendez compte ? Monsieur Cust, ça va ? Vous avez vraiment l'air pas bien. Pardonnez-moi, ma gorge me brûle et j'ai la tête lourde. C'est depuis la guerre, vous savez. Après ma blessure, ma tête n'a jamais remarché comme avant. D'accord, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Ok. Bon. Eh bien, c'est cette scène révélatrice, complètement incroyable, que nous allons Poirot, vous laisser. C'est un plaisir d'habiter à nouveau avec vous après toutes ces années. J'ai cherché un cadeau pour vous remercier de votre hospitalité et j'ai trouvé ce porte-mine. Un authentique objet de collection. Vous me gâtez, mon ami. Et vous, bien plus encore en m'associant à vos enquêtes. Ne sous-estimez pas l'aide que vous m'apportez, Hastings. L'intellect n'est pas tout. Il y a aussi la bonne volonté, et vous n'en manquez pas. Tout à l'heure, je vous demanderai de m'aider à nettoyer la pièce et à apporter des chaises. Nos hôtes ne vont pas tarder à arriver. Thora Grey viendra-t-elle ? Naturellement. C'est une jeune fille fascinante, n'est-ce pas ? Oh, voyons, Poirot. Je suis marié. Quant à Mademoiselle Grey, elle est déjà courtisée par Franklin Clark. Poirot, nos invités ne vont pas tarder à arriver. Nous devrions nous préparer. Donc voilà, comme je le disais... Je devrais profiter du silence pour les examiner. Nous allons nous laisser là et les examiner la prochaine fois. Vous venez de détenir un objet modifiable. Pour cela, sélectionnez l'objet dans votre inventaire, cliquez sur l'icône. Elle n'est disponible que dans le cas où la modification est possible. Donc voilà, on se laissera là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, donc faire trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie, vous, d'être fidèle à la chaîne. Je remercie aussi mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu, donc Agatha Christie, ZB Simon, mais aussi Fallout 4, donc oui, Star Wars Battlefront ou encore Mad Max. Un grand merci à eux. Vous pouvez retrouver sur leur site, donc que ce soit directement dans la bannière, donc vers un lien vers leur site directement, ou dans le descriptif, qui sera un lien direct vers Agatha Christie's ABC Murders, donc sur leur site, vous pourrez trouver des jeux à des prix réduits, ce qui est toujours intéressant, de faire des économies. Donc voilà, les amis, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yop.